Cette année-ci, nous fêtons les 40 ans du moteur 5 cylindres Audi. La raison de ce moteur 5 cylindres, qui était la première fois dans l'histoire automobile qu'on avait cette configuration-là, c'était la possibilité pour Audi d'avoir une voiture plus puissante à travers un moteur plus gros, tout en respectant l'architecture de la voiture dont le moteur est fort en avant. Donc c'est un compromis entre un 4 cylindres et un 6 cylindres plus puissant. Et ce moteur a effectivement été un élément déterminant pour l'ascension de Audi comme voiture de marque sportive d'une part, et de luxe et de prestige, comme c'est le cas maintenant, une marque premium. Cette année, nous présentons les moteurs 5 cylindres, dont c'est le 40e anniversaire. Alors nous avons 6 voitures qui sont exposées sur le stand. Nous avons commencé en 1976 avec le moteur 136 chevaux à injection qui équipait l'Audi 100 qui était présenté ici en version limousine et en version avant, c'est-à-dire à 5 portes. Ensuite, c'est la carrosserie coupée, le coupé GT qui a été équipé d'un moteur 5 cylindres également, de plus petite cylindrée, 115 chevaux, mais qui a vu aussi l'évolution vers la fameuse Audi Quattro Turbo, donc le moteur 2 litres 2, turbo, intercooler de 200 chevaux, et qui a bien sûr obtenu des puissances bien plus élevées pour la compétition en rallye. De ce moteur, par exemple, c'est Audi 220 soupapes par cylindre et qui développe 220 chevaux avec ses 20 soupapes. Alors, le développement ultime, en tout cas pour cette génération de voitures jusqu'aux années 90, c'est le modèle RS2, la voiture bleue derrière moi, et qui est passé entre les mains des ingénieurs Porsche, qui ont réussi à sortir 315 chevaux de ce moteur, avec un turbo bien sûr, transmission quattro, et des performances à couper le souffle, 262 km/h de vitesse de pointe et une accélération évidemment à beaucoup plus.